Nous sommes au mois d'août. Alors je ne dirai pas le nom du village, mais je suis à une quinzaine de kilomètres de Caen et je connais bien cet endroit et cette maison est à l'entrée du village. Et voilà, donc je commence mon petit tour intérieur. J'ai déjà repéré des lieux et c'est un lieu magnifique, vous allez voir. C'est une belle maison. Je n'ai aucune histoire, bien entendu aucune histoire concernant cette maison. Mais c'est une maison magnifique, vraiment magnifique. Alors je me permets de rentrer. Alors je me suis déjà présenté auprès d'eux, mais je vais le refaire. Bonjour. Je me permets de rentrer chez vous. Comme je vous ai expliqué, je m'appelle Guillaume. J'ai 41 ans et je viens vers vous pour avoir un dialogue. Je vous l'ai déjà dit, mais vous avez une maison absolument magnifique. Tout à l'heure, il y avait un oiseau ici, mais... Alors, je sais pas. La maison est vraiment inoccupée depuis... longtemps, plus de 10 ans, et il y a des affaires. Il y a même une ancienne écurie derrière, je ne sais pas si j'irai, mais enfin. Et cette maison est vraiment magnifique. Mais je n'ai aucune. Il y a des belles toiles d'araignée. Des jolis meubles. Encore un oiseau. Je n'ai aucune histoire, j'ai entendu aucune histoire concernant cette maison. C'est une maison vraiment magnifique. Je suis allé en repérage et c'est vrai qu'elle est magnifique. Ouf. Donc voilà, je suis rentré par la véranda. On a commencé par le ski et le salon, je présume. Là, c'est une belle chambre. Je pense que j'installerai tout mon matériel ce soir ici. Oui, il est midi. Je suis venu hier visiter la maison. Oh, c'est la salle de bain, les toilettes. Je suis venu hier. Déjà. Mais par contre, hier, je n'ai pas ouvert la porte. D'accord. Ok, oui. C'est l'entrée, notre entrée de Rock. Donc, ne vous étonnez pas hein, si je leur parle, parce que il y a des morceaux de verre. Je regarde parce que ce soir, je pense que je viendrai avec ma chienne. Je ne voudrais pas qu'elle se blesse. Mais a priori, aucun danger, juste quelques petits morceaux de verre que j'enlèverai plus tard. Bon, alors pour le rez-de-chaussée, c'est fait. Je vais passer à l'étage. Voilà. Une belle maison. Je n'ai aucune histoire, j'ai entendu aucune histoire concernant une belle maison. Je n'ai aucune histoire, j'ai entendu aucune histoire concernant aucune histoire.
choix concernant. C'est parti, je passe au premier étage. Je ne me sens pas stressé, mais déjà hier je me sentais pas mal à l'aise au contraire. Par contre, vous allez voir. Donc voilà, ça y est, je suis à l'étage. Alors, des toilettes encore en face. Une salle de bain ici. Une autre porte ici. Vous avez une maison magnifique. Avec la vue dehors. Alors, ça, c'était des placards, des débarras, encore des toilettes, une petite pièce. Ici une chambre. Alors voilà, par contre, dans toutes les chambres, je sais pas, voilà, des symboles, des peintures religieuses. Je sais pas. Il y a des gens qui sont venus ici. Juin 2017, mon dernier. M-O-I. Mon dernier mois. À vivre. Juin 2017, mon dernier mois à vivre. Coucou, bande de zoulettes. Ouais. Une belle cheminée. Magnifique cheminée. Alors voilà. Alors je vais faire attention parce qu'il y a quand même des habitations à côté, je ne voudrais pas attirer l'attention. Voilà. Et le lustre aussi. Magnifique le lustre. Ouais. J'ai posé un enregistreur dans le salon en bas. Vous voyez, il y a des crottes d'oiseaux bizarres par terre. Le plafond est un peu moisi. Là, ça, je ne sais pas si c'était une petite pièce et là encore des toilettes. Et là, une autre chambre. Et là, une croix posée contre la fenêtre. Ça devait être des gens très croyants. Encore une cheminée. C'est une maison vraiment magnifique. Vous avez une magnifique maison. Hein. Et ces meubles, c'est pas des meubles récents. Hein. C'est des vieux meubles, ça se voit. Encore une armoire. Je me sens bien dans cette maison. Il n'y a aucun problème. Pour l'avoir ce soir. Voilà, encore une chambre ici. Alors là, une salle de bain. Une deuxième salle de bain. Bon, l'élément de est récent, ça se voit. La baignoire aussi. Et encore une chambre. Avec encore une petite peinture, un petit tableau avec un religieux, on va dire. C'est magnifique. Puis la vue, vous voyez. Voilà. Et une croix encore posée. Je vais me répéter, mais vous avez une maison vraiment magnifique. Et puis alors, c'est du parquet.
J'imagine que cette nuit, si je suis au rez-de-chaussée et que j'entends marcher, après. Donc, je suis au premier étage et je vais maintenant. Et ça, je ne l'ai pas fait hier soir, par contre, il y a une porte là. Enfin, je l'ai ouverte, il y a un escalier. Donc, je vais ouvrir la porte et monter au dernier étage. Voilà, j'y vais. Je vais ouvrir la porte. Ça sent bon, en tout cas, dans la maison. Il n'y a pas d'odeur de moisissure ou quoi que ce soit. Je vais ouvrir. Voilà, c'est l'escalier que j'ai vu hier. Donc, je me permets de monter. Je vous remercie de votre accueil, en tout cas. Je me permets de monter. Alors, par contre, là, on sent tout de suite. C'est à prendre en considération, parce que là, je sens comme un courant d'air. Mais la vitre est cassée. Donc, là, je pense qu'on est... Ouais. On monte tous les combles. Enfin, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de pièce, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et on sent qu'il fait froid. Hein. Ouais, ok. Ça devait être une toile d'araignée. Il y a quelque chose qui me chatouille le bras. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, donc ici. Y a rien de spécial, j'imagine. Ce sont les combles. Je suis arrivé d'ici. Et la maison n'est absolument pas détériorée. Hein. Aucun risque pour moi. Je vous rassure, aucun problème. Donc, ouais, bon, ce sont les combles. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des trous partout dans la charpente. Et c'est vrai qu'on sent qu'il fait beaucoup plus frais ici. D'où le léger petit courant d'air dans les escaliers. Oh, par contre, je vois que... Mon objectif est un peu sale. Je vais voir ça tout à l'heure. Voilà. Ce sont les... Je termine ma petite visite de jour, j'en fais le tour du propriétaire. Donc je suis toujours au premier, une chambre. J'ai envie de revenir sur ce qui est inscrit sur le mur. Juin 2017, mon dernier mois à vivre. Bon. Je ne touche à rien. Je ne toucherai là. Donc, la deuxième chambre. Voilà. Une petite toile derrière moi, une petite pièce, des couloirs, des placards, pardon. La salle de bain, la chambre. Voilà. Une autre chambre. Voilà. Avec un petit tableau religieux, une croix posée sur la fenêtre. Ces gens devaient être très croyants. Je suppose. Donc ça, c'est la vue d'extérieur, côté gauche. Je suis arrivé de là, en fait. Là, donc, l'escalier, la porte qui mène au comble d'où j'arrive. Donc je redescends. Je redescends. Merci. C'est la première fois que je fais une enquête en intérieur. Il pleut, donc là c'est pas grave.
Donc là, je suis rentré de là. Alors, on entend les voitures qui passent à l'étage, on n'entend pas, mais là, on entend. Là, c'est la porte qui donne sur l'entrée côté droit. Là, c'était pas une chambre, c'est du carrelage, il n'y a pas de lit. Les inscriptions sont... Il y a des jeunes qui sont sûrement passés, j'imagine. Pas de signe religieux dans cette pièce. Alors ça, c'est magnifique. Ce lustre... Encore une cheminée, il y a une cheminée dans quasiment toutes les pièces. On va faire un essai. Hein. Il n'y a pas de courant. Regardez. Pas de courant. La cuisine. Vérifier cette porte là est fermée. Ah, un tableau qui n'a rien de religieux là. Et donc là, la pièce principale. J'ai posé mon enregistreur ici depuis que j'ai fait la visite. Encore une belle cheminée derrière. Voilà. C'est magnifique. Savoir vieillir. François Fabre. Je prends avec moi la Spirit Box. L'enregistreur fonctionne. Et je vais prendre le K2 avec moi également. Et dans un premier temps, bon, on va monter. Je me permets de monter à l'étage. Je monte avec ma chienne. Donc, comme je vous ai dit, je viens avec les meilleures intentions. Ne soyez pas méchants à mon égard et envers ma chienne. C'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie. Nous montons. Viens, Léa.
monte, ma belle. Voilà. Non, c'est moi, avec le coude, j'ai... Tu veux aller où, ma chienne? En quelle pièce tu veux aller? Celle-là? Allez, on va dans celle-là. Je te suis. Ouais, le problème, c'est que la fenêtre donne sur d'autres maisons et je n'ai pas spécialement envie qu'on me voie. Voilà. Comme ça, je vais installer donc le K2. Donc, comme je vous ai expliqué, alors, j'ai entendu un bruit. Mais... Alors, c'est rassurant pour son chien, mais quand je vous assure que le chien entend un bruit aussi. Ok, j'ai entendu un bruit, comme un bruit de frottement. Et ma chienne l'a entendu aussi parce que elle a arrêté d'expirer et elle a refixé le. Donc comme je vous ai expliqué, je vais sortir et allumer cette radio que j'ai dans les mains. Donc ça c'est la chienne. Mais c'est ce que je lui ai laissé sans. Mais c'est pas le bruit qu'on a entendu il y a 30 secondes. Et c'est une radio qui me permettra de vous entendre, alors ça va faire du bruit. N'ayez pas peur. J'ai chaud, je suis trempé. Et cette radio me permettra de vous entendre si vous me parlez. Vous voyez, ça fait le bruit d'une radio entre deux stations. Je fais le petit réglage. Voilà. Voilà. Un peu plus fort. Voilà. Et je vais rester là. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Léon? Marguerite? Bonjour. J'ai cru entendre bonjour, enfin ça serait fabuleux à peine allumé. Elle me stressait. Bonjour. Donc comme je vous ai dit, je m'appelle Guillaume, je suis venu avec ma chienne et j'ai allumé ce boîtier. Si vous parlez, je vous entendrai, alors n'hésitez pas. Je suis venu vers vous pour avoir un contact, un dialogue en toute... simplicité, toute sympathie, je ne viens pas vous embêter. Léon, je me permets de vous appeler Léon. Marguerite, je me suis renseigné du coup cet après-midi après la visite. Oui, bonjour. Léon, est-ce que c'est vous? Comment allez-vous, Léon? Alors, il n'y a pas de Léon, parce que j'ai des frissons.
c'est ça. J'ai chaud, j'ai le dos trempé. J'ai chaud. Léon, Marguerite, êtes-vous là dans votre magnifique maison? Je m'appelle Guillaume. J'ai 41 ans. Et je me suis permis de m'inviter chez vous pour avoir un dialogue. Acceptez-vous ma présence? Acceptez-vous que nous dialoguons, discutons? J'ai cru entendre un nom. Oh, c'est le nom, j'ai des frissons, c'est la France. Vous avez dit non, Léon? Pouvez-vous me confirmer que je vous dérange? Est-ce que je vous dérange, Léon? Léon, est-ce que je vous dérange? Est-ce que ma présence vous dérange? J'aimerais parler à Léon ou à Marguerite, s'il vous plaît. Léon, est-ce que vous êtes là près de moi? Ah, ça m'énerve. C'est que les muscles, j'ai plus de batterie. Ou l'autre. Je peux même pas faire du vent nocturne ce soir. Vous avez vu, Léon, la rose que je vous ai laissée en bas? Elle est pour vous. Je ne parle pas, j'ai coupé la spirit box parce que j'ai... Oh là là. Il faut que je me calme, il n'y a aucune raison d'avoir d'être stressé comme ça, sauf si ce stress... ne vient pas de moi. J'ai entendu un... comme un... Mais ça, il me semble que ça venait d'en bas. Pour ça que j'ai éteint. Thank you.
Et bien entendu, cette rose, je la laisse. Hein. Marguerite, Léon, pourriez-vous me parler un peu de vous, s'il vous plaît? Je suis époustouflé par le nombre de réponses. Merci de me répondre. Léon, Marguerite, je vois qu'il y a énormément de croix religieuses chez vous. Vous étiez religieux, vous croyez en Dieu, vous aimiez la religion. T'as grossi, toi, hein? Ouais. Vous étiez religieux, Léon? Ou Marguerite? Ça commence, hein. C'était quoi ce bout? Au moment où je dis où ça va mieux, il y a un... J'ai d'énormes frissons. Et j'ai pas halluciné. Voilà. Est-ce que c'était un bruit qui était dehors? Quelqu'un qui a fermé la portière d'une voiture, un coffre. Léon, est-ce vous qui avez fait ce bruit? Alors je ne sais pas si le bruit vient de chez vous, mais Léon et Marguerite, vous voyez, je viens chez vous avec les meilleures intentions. A priori, vous m'avez dit que je pouvais rester. Mais ça, ce qui serait vraiment bien, ça serait d'éviter ce genre de choses, si c'est vous, de faire du bruit qui fait peur. Parce que... toujours un peu stressant d'entendre des bruits comme ça. Si vous pouviez éviter, je vous en serais reconnaissant. C'est moi qui souffle. Il n'y a rien qui serait... tomber, non?
marrant, j'étais. Je suis quasiment sûr que c'était là que ce qui était marqué. Tout à l'heure, juin 2016, 2017, plus qu'un mois à vivre. Faut que je vérifie. C'est marrant parce que j'en suis quasiment sûr que c'était là, et là il n'y a plus rien. Bon, on sait que c'était pas là. Attention, sous-sol. Et avec une croix nazie. Ouais. Ah, c'est les yakibou, me fait peur. En même temps, vu que c'est un coin qui a été pris par les Allemands, j'imagine, vu que la maison est assez ancienne, les nazis ont dû l'occuper. Oups, pardon, je t'en ai. Écoutez, je vais faire une pause. Ça va me faire du bien là de prendre l'air, hein, parce que j'en ai besoin. Et je reviens après. Je coupe. À tout de suite. Ça commence à aller mieux, moi. Ah, mon Dieu, c'est tout beau, pardon. Ça commence à aller mieux, moi. Ah, mon Dieu, c'est tout beau, pardon. Je reviens après. Je coupe.